Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre chère petite ville. On va déjà regarder ici, est-ce qu'on a des gens dans notre ferry? Non. C'est dommage parce que c'était pas mal du coup pour une fois qu'on faisait ça. Désolé, je suis déjà en train de vous emmerder avec toutes mes questions et toutes mes phrases. Problème de bruit, évidemment, on s'en doutait que ça allait arriver. On pourrait peut-être essayer de remplir ici un peu. Peut-être que ça ira un peu mieux. Bah, ça a l'air d'aller mieux. Parfait. Ok. J'aimerais faire plusieurs choses aujourd'hui. J'aimerais qu'on augmente vraiment notre quantité de touristes. Donc ça veut dire qu'on est à combien pour le moment au niveau touristes? On a une quantité, on est à 766 touristes. Et il faut qu'on augmente l'attractivité. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour augmenter l'attractivité? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est dit. Mais ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va répondre à la demande des exigences résidentielles. D'accord? Donc, ce qu'on va faire pour moi, c'est qu'on va commencer à ici faire partir notre autoroute. On va la faire partir vers la droite. D'accord? Alors, on va déjà reprendre cette route-là. Je dirais qu'on va au moins la faire passer ici, d'accord? Hop, même chose ici, on va tirer jusque-là. Comme ça, et zou, on va la retourner. Voilà, ce sera déjà très bien comme ça. Ici, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais ça va être sûrement un petit tournant. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de sortie ici en fait. Pour arriver ici, c'est pas trop une sortie, donc on pourrait en faire une sortie à un moment donné en fait, ici, de celui-là. Maintenant, ça voudrait dire que lui ici, soit il va faire une boucle, soit on va le faire partir bah, vers nulle part en fait. Donc, si on veut le faire partir, ce serait vers ici. Ce qui pourrait être quand même intéressant à un moment donné, d'avoir plusieurs zones d'accès. Et puis à un moment donné, on pourrait commencer à remplir ici, hein, aussi. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être aussi l'occasion de se faire. Alors, est-ce qu'on ferait ça ici ou plutôt là? Un autre aéroport. Donc voilà. J'aimerais ici qu'on ait beaucoup plus de choses également. D'accord? Alors, est-ce qu'on a du monde qui prend nos bus ici? J'ai l'impression, donc ça c'est déjà bien. Problème de bruit également. On va remplir. Ouais, on peut remplir encore ici comme ça. C'est parfait. Ça, on va sûrement le déplacer à un moment donné parce que c'est en train de nous créer quand même un petit trafic. Ok, alors nos monorails, ça se passe comment en fait? À partir des lignes. Ah ouais, on n'a plus beaucoup de monde qui prend les monorails ou c'est moi? Ah, il n'y a plus personne qui prend les transports en fait. C'est abusé. C'est un peu embêtant ça. Niveau bruit, niveau trafic, ça se passe comme en 80%, donc ça bloque ici. Ça bloque par là et là. Ok. On va réfléchir à plusieurs choses. Déjà, on va retirer certaines... Certains petits trucs. Alors, bonus de connexion, bon, c'est intéressant quand même. Mais peut-être pas du coup la carte de voyage touristique. Bon, ça va, ça c'est pas. Qu'est-ce qui m'avait coûté très cher? L'Union des ouvriers, ça a l'air d'aller quand même.
C'est vrai qu'ici on avait réduit les frais. Hein. On avait réduit les impôts mais on vendait plus. Et pourtant on voit qu'il y a toujours ce problème-là. Donc si je retire justement bienfaiteur ici, j'aimerais juste voir ce que ça a donné. Plus 10 000, ok. Ok. On va continuer ici. On va se faire une sortie d'autoroute par ici, d'accord? Elle est sympa, ça. Ça aussi, c'est cool. Je le mettrais presque bien là, en fait. Hein. Vous savez quoi, on va faire ça. On va supprimer ce que j'avais fait. Et du coup, c'était lequel? Lui? Ah ouais, et on est du coup ici sur une... Ok. Je croyais que ça continuait sur une autoroute, mais non. Alors c'est pas trop grave, sachant qu'on pourrait faire que lui justement va être une autoroute qui va tourner autour. Donc on va garder comme ça. On peut le faire en soi, c'est pas si grave que ça, entre guillemets. Okay. Parfait, on va relier ici. Alors je vais plutôt prendre une route, une double route comme ça pour le moment. Hop, on va connecter ça là. Donc ouais, ici c'est vraiment une grosse route principale. Et là, bah là, on pourrait encore mettre des habitations, entre guillemets. Bon, ici, c'est un peu asséché, c'est un peu vide. On pourrait peut-être mettre des arbres. Voilà. Très bien ça. Plein d'arbres. Parfait. J'aimerais juste peut-être un truc dans ceci là. Alors par contre, ça m'énerve qu'il se mette tout le temps comme ça. Hop, on va juste reprendre. Aïe aïe aïe. Ça. Très chiant qu'ils se mettent tout le temps en sous-sol comme ça. On va prendre ceci ici. Il y a un truc dupliquette. Ouais, parallèle. Alors, moins ou égal pour le décalage. Alors,
juste mettre peut-être comme ça, mais on va faire tab pour changer de côté. Voilà, et on va mettre du coup comme ça. Enter. Ok. Parfait, parfait, parfait. Voilà, et comme ça, lui, on pourra le faire partir par ici. Et s'ils veulent aller par ici, ben, ce sera parfait. Alors, je vais mettre ici, je crois, encore des habitations. On va continuer, on va encore se faire un petit quartier par ici. J'avais envie de dire jusque là. Et j'ai envie, en fait, que ce quartier soit un peu un quartier un peu bobo. Donc, c'est-à-dire logement high-tech. On pourrait augmenter le taux d'imposition, d'accord. Alors, on va voir un peu après. Jusque la zone, du coup, on va dire que c'est ici. Produits biologiques. Là, on va mettre bâtiment autonome. Et voilà, ce sera déjà pas mal. C'est parti. Alors, on va se faire du coup notre petit quartier. Et ça, on va quand même faire passer ici. Voilà. Évidemment, évidemment, ils sont obligés de se dire, bon, on va rester comme ça ici en sous-sol. Je trouve que ça, en vrai, ils se foutent de nous quoi. Enfin, parfois, t'es quand même en mode, t'abuses. Tu abuses carrément. C'est parfait, on peut même aller jusqu'ici par exemple. Ok, alors on va remplir ici notre zone. Tout ça là. Ça va être la zone où on mange. Et tout ça, c'est la zone où on va vivre. Parfait. Ok. On est... Alors non. Hop. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi la relier ici à un moment donné. Mais d'abord, on va peut-être mettre de l'eau. Voilà, super. Un petit arrêt de métro, ce serait pas mal. De métro, de monorail peut-être. Monorail, tu es là. Alors peut-être que du coup ici on va mettre plutôt des bâtiments.
Alors je sais pas si je dois mettre de l'électricité parce que ça a rapidement monté, je crois. On va attendre quelques secondes et si pas on va en mettre, mais pour moi ça devrait aller. Niveau électricité, ça a l'air de bien se passer. Voilà, on a de l'électricité. Alors, problème d'export ici apparemment de notre farine. Alors, ce qu'on pourrait faire, d'accord, c'est on va prendre ici. On va prendre ça. Zou. On va mettre une spécialisation vide pour la farine. Et bim, ça va partir. Pas mal de monde qui attend ici, on dirait. C'est la ligne 4. Je pose arrêt 2. Ok, génial, je comprends pourquoi il y a des soucis. Enfin, je comprends. Non, je comprends pas, mais il y a du monde qui attend quelque part. Ok, donc le souci, il vient de là. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait beaucoup moins de personnes aussi. Et qu'il y a eu des morts et que... etc. etc. Alors il y a beaucoup beaucoup de véhicules ici. Ah ouais. Ok. Regardez-moi ça, il y en a 1300 aidés qui attendent là. C'est abusé. C'est clairement abusé. J'espère que vous entendez pas le son. Il y a... Je sais pas, il y a une foire chez moi. Alors du coup, ça nous crée quand même un énorme embouteillage. J'espère que ça va aller mieux après. Normalement, oui, hein, mais... Mais clairement, on est sur des zones ici qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C'est quoi transport, line pattern? Ah. Genre clairement, vous voyez ici, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que ça n'avance pas? Non, parce que du coup, il va ici à droite. J'ai l'impression que cette ligne-là est en train d'un peu déconner. Nombre de véhicules 1. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mis d'école. On a zappé le truc de mettre une école. Voilà, on n'a plus zappé. Bon, c'est toujours de pire en pire ici. Alors, de nouveau, je crois vraiment que c'est parce qu'on a aussi, le fait que toute cette zone-là soit un peu embouteillée. Et alors, c'est marrant que ça passe dans un sens et dans l'autre.
Ah mais regardez-moi ça ici, c'est pour ça. Ça passe pas ici, ça passe plus ici. Ok. On va faire un truc. Hop, monorail. Cette ligne-là, ça dégage. Et on va la refaire. Alors techniquement, ce serait mieux de rouler à droite pour ne jamais se bloquer le chemin. Mais normalement, c'est pas censé se bloquer le chemin, c'est pour ça. Mais on peut tester d'abord. Ici à droite, à chaque fois, plutôt. Pourquoi ça ne veut pas? Et si je pars d'ici? Et de là à là. Créer une nouvelle ligne de ici à là, ça ne veut pas en fait. Sans les bugs, hein. Alors là, par contre, ils vont quand même se croiser. Allez, on le tente. Espérons que ça va aller un peu mieux. Déjà pour nos bleus, je crois que ça va aller mieux. Normalement, en tout cas, c'est censé. Ça devrait aller mieux, quoi. Voilà, ici on a déjà du monde. Ici on a un monde fou. Et je crois qu'on va même pouvoir dire de... Tu peux un peu forcer, hein. En plus, ça va nous faire regagner un peu d'argent, ou en tout cas moins en perdre au niveau des transports en commun. Ça représente quand même 16% de nos dettes. Et ici, regardez avec les monorails, ah, on gagnait de l'argent, on en perd maintenant. Mais on est très limite, vous voyez, c'est... on répond à la demande. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est nos trains. On dépense énormément en train et en avion. Les avions nous coûtent aussi beaucoup. On pourrait voir pour un peu augmenter peut-être les recettes. Alors ça attire moins de personnes, mais bon. Ça reste quand même très intéressant, je crois. Pas assez d'employés, mais bon, ça c'est pas trop mon problème parce que ben, y a des emplois juste à côté. Faut traverser et on va pouvoir y arriver. À toi un job. Ok, alors ici ça se passe comment là? Farine, il est content, il peut exporter sa farine. Ok. Bon, clairement, s'il y a un tuto que je devrais faire, ce serait sur les industries. Pour moi, c'est vraiment un gros manque perso et du coup, ben, je crois que je dois pas être le seul à me dire ça. Alors, on est à plus 43 000. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre, étonnamment.
Mais c'est trop cool, du coup. Parce que du coup, ça nous fait beaucoup de rentrées. Ça veut dire qu'on va pouvoir investir aussi dans d'autres choses. Alors, on a quand même toujours des problèmes de clients. Ça reste toujours un souci. Ça ici, il va falloir un peu y réfléchir, mais... What? Regardez comment ça n'exporte pas. Ok, on va s'occuper de ça, d'accord. Moins 422, moins 39. Pas top, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire un truc. Alors, je vais dire comme ça, mais en fait, je crois que niveau espace, on n'est pas. C'est pas génial, génial ça. Non, et je vais quand même garder ce petit truc là. Donc. On va plutôt aller par là. Voilà. Ce sera très bien comme ça. Alors, j'ai envie de vous dire, on pourrait mettre d'autres produits qu'on exporte, hein. Il y a boire à beauté, papier. Il faut y réfléchir, mais ça a l'air d'aller. Ok. Donc, on va laisser comme ça. Ok. Ça, ce sera très très bien. Ça va faire venir les gens ici et. Et du coup, créer un peu moins de trafic. Et j'ai envie maintenant, du coup, on va essayer de mettre un petit train. Alors, un train où on pourrait mettre carrément un bateau. D'import-export, entre guillemets. Ah, ce serait top ça. Ouais, ça c'est top. On va se faire ça. On va mettre une arrivée genre comme ça. Et une sortie par là. Super. C'est déjà ça. Et maintenant, on va connecter un train. Ah, d'abord de l'eau. Voilà, alors on a un train qui devrait partir vers ici. Alors en vrai, regardez, attendez, attendez. Je suis en train de me dire. On peut faire tout ça en fait. Comme ça ici là. En vrai, c'est pas mal. Hop, et là on va faire sortir là. Ok, alors ça c'est le métro, je crois, du coup. J'ai jamais connecté les trains. On n'a jamais connecté le train, mais je suis con. Tu m'étonnes que ça fonctionne pas, du coup. Oh là là, oh la boulette. Oh la boulette. En même temps, on n'avait pas l'argent. J'espère que maintenant ça va un peu nous faire exploser notre le tout. Alors on est ici et ça je peux connecter genre là. Ok, alors on est sur un train ici. On va.
va déjà tout mettre en hauteur. Zou. Ça. Et ça, on va te mettre à la hauteur de lui. Voilà, très bien. Ça, on va quand même juste mettre tout en hauteur aussi. Même chose là. Ça a rien de... Zou. C'est parfait. Ok, espérons que ça va un peu nous booster. De mettre les trains par là. Alors on a des trains qui arrivaient là. Est-ce qu'on avait des trains qui arrivaient ici? Oui. Oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir un peu abuser. Alors je sais les gars, j'abuse. Ok, je le sais. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu le but parfois. Parce que du coup, ici, on arrive, on va faire repartir. Alors, n'oublions pas peut-être de dire quand même que c'est une priorité de rond-point, d'accord? Du coup, ici, on a toute une zone à retravailler. Donc, on pourrait... Très bien, faire ça, mais du coup au sol et remplir du coup notre petite zone ici. Parfait ça. Alors je serais partisan de le faire partir, de les faire d'office partir à droite en fait. Qui est une obligation de vraiment aller sur le rond-point. Par contre, ça m'embête un peu quand même. L'entrée et la sortie ici, ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, on va... faire comme ça. Et alors l'idée c'est qu'on fasse ça. Maintenant ça a bof, donc on va du coup d'abord connecter genre de là à là, comme ça. Et puis c'est vrai qu'on peut plutôt faire un petit triangle entre guillemets. Et là on connecte et c'est parfait, et comme ça on est dans les deux sens, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Génial. Alors ici on a quand même ce petit souci un peu embêtant, mais qu'on va peut-être régler la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!